Bonjour la famille, c'est votre frère Jacques Indala. L'ultime combat a déjà commencé. Je reçois des menaces de partout, des menaces de mort, des gars de l'UDPS. Je suis du Kassai, je ne suis pas obligé d'être de l'UDPS. Je suis Moulouba, je ne suis pas obligé d'être derrière Tshisekedi. Depuis longtemps, ils ont commencé à me menacer, vous rappelez avec l'audio, le montage. Et là, je suis accusé d'avoir tué mon frère Mars Kadiobo. C'est triste. Depuis ce matin, il y a un mouvement suspect autour de chez moi. Je vois des gens avec une 4x4 qui sont là, debout, avec des Motorola, en train de discuter, d'échanger. Je me prépare avec mes gars. Tout à l'heure, je vais sortir à pied. S'ils sont venus pour moi, ça va barder et le sang va couler. Soit c'est moi qui tombe, soit c'est l'un d'eux qui tombe. Ce message, je l'envoie à tous ceux qui me suivront, à mes parents, à mes enfants. Si je tombe devant ces gens, si mon sang coule, Bokundangati, Botumbanzotonangai, Bobouaka poussière, je ne me laisserai jamais intimider. Ça, non. Je fais cet audio à tout le monde. Le combat est un combat politique. Si les gens veulent la violence, je m'y engage tout de suite. J'ai des gars avec moi, mes gars, qui sont venus, qui sont avec moi ici. Je sors tout à l'heure. Si vous apprenez qu'il y a quelque chose qui est arrivé, c'est parce qu'on a affronté Jacquinda la chérie à la maison. Et ça, je ne vais pas l'accepter. Je vais me défendre avec tous les moyens en ma possession. Je suis préparé physiquement, moralement et spirituellement. Je sors. Chez moi à la maison, il est 10h moins. Depuis 5h, cette Jeep est au coin de mon avenue. Donc, j'insiste encore. Si je tombe, si, parce que quelqu'un va tomber tout à l'heure là. Tout à l'heure, quelqu'un va tomber. Tout à l'heure, quelqu'un va tomber ici. Si ils sont venus chez moi me chercher, je le dis à tous ceux qui me suivent. Si je meurs dans ce que je fais maintenant là, prenez mon corps, ne mettez aucune goutte de formol. Brûlez mon corps et jetez-le. C'est Jacques Indala, le patriote résistant. Est-ce que ceux qui vont rester continuent à mener cette lutte? Tout, à tout moment peut arriver et je suis prêt. Que le Dieu de nos ancêtres protège le sol et le sous-sol du Congo. C'est un message de votre frère. Merci beaucoup. Si quelqu'un d'entre eux tombe, ils sont venus me chercher devant le juge. Je sais ce que je veux dire. Les messages de menace, je les ai. Et tous les numéros des gens qui m'ont menacé, qui m'ont écrit des messages, toutes les photos des gens qui m'ont écrit sur Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, j'ai leurs photos, j'ai leurs images, j'ai leurs noms. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Restons forts, on est forts et on va continuer fort ensemble. Jacques Indala. Bonjour la famille, c'est votre frère Jacques Indala. L'ultime combat a déjà commencé. Je reçois des menaces de partout, des menaces de mort, des gars de l'UDPS. Je suis du Kassai, je ne suis pas obligé d'être de l'UDPS. Je suis Moulouba, je ne suis pas obligé d'être derrière Tshisekedi. Depuis longtemps, ils ont commencé à me menacer, vous rappelez avec l'audio, le montage. Et là, je suis accusé d'avoir tué mon frère Mars Kadiobo. C'est triste. Depuis ce matin, il y a un mouvement suspect autour de chez moi. Je vois des gens avec une 4x4 qui sont là, debout, avec des Motorola, en train de discuter, d'échanger. Je me prépare avec mes gars. Tout à l'heure, je vais sortir à pied. S'ils sont venus pour moi, ça va barder et le sang va couler. Soit c'est moi qui tombe, soit c'est l'un d'eux qui tombe. Ce message, je l'envoie à tous ceux qui me suivront, à mes parents, à mes enfants. Si je tombe devant ces gens, si mon sang coule, Bokundangati, Botumbanzotonangai, Bobouaka poussière, je ne me laisserai jamais intimider. Ça, non. Je fais cet audio à tout le monde. Le combat est un combat politique. Si les gens veulent la violence, je m'y engage tout de suite. J'ai des gars avec moi, mes gars, qui sont venus, qui sont avec moi ici. Je sors tout à l'heure. Si vous apprenez qu'il y a quelque chose qui est arrivé, c'est parce qu'on a affronté Jacquinda la chérie à la maison. Et ça, je ne vais pas l'accepter.
Je vais me défendre avec tous les moyens en ma possession. Je suis préparé physiquement, moralement et spirituellement. Je sors. Chez moi, à la maison, il est 10h moins. Depuis 5h, cette Jeep est au coin de mon avenue. Donc, j'insiste encore. Si je tombe, si, parce que quelqu'un va tomber tout à l'heure là. Tout à l'heure, quelqu'un va tomber. Tout à l'heure, quelqu'un va tomber ici. S'ils sont venus chez moi me chercher, je le dis à tous ceux qui me suivent. Si je meurs dans ce que je fais maintenant là, prenez mon corps, ne mettez aucune goutte de formol. Brûlez mon corps et jetez-le. C'est Jacques Ndala, le patriote résistant. Est-ce que ceux qui vont rester continuent à mener cette lutte? Tout, à tout moment peut arriver et je suis prêt. Que le Dieu de nos ancêtres protège le sol et le sous-sol du Congo. C'est un message de votre frère. Merci beaucoup. Si quelqu'un d'entre eux tombe, ils sont venus me chercher devant le juge. Je sais ce que je veux dire. Les messages de menace, je les ai. Et tous les numéros des gens qui m'ont menacé, qui m'ont écrit des messages, toutes les photos des gens qui m'ont écrit sur Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, j'ai leurs photos, j'ai leurs images, j'ai leurs noms. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Restons forts. On est forts. Et on va continuer fort ensemble. Jacques Ndala, bon dimanche. J'espère que tu ne vas pas tomber quand tu sors pour affronter ceux-là que tu suspectes de venir t'agresser chez toi. Nous t'avons suivi comme tu l'as souhaité. Nous t'avons compris. Moi qui te parle, je ne suis pas un Kasséen, je ne suis pas un Moulouba, je suis un Congolais. Je ne soutiens pas Félix Tshilombo dans ce qu'il fait. Mais je pense que c'est un combat inutile quand tu mènes. Tu risques de mourir pour une cause qui n'est pas noble en soutenant quelqu'un qui n'est pas Congolais et quelqu'un qui est criminel, qui a commis des crimes chez nous. La proposition de la loi Tchani, comme nous l'avons dit plusieurs fois, ne date pas d'aujourd'hui. Tchani n'est pas le premier à l'avoir proposé, mais au moins, il fait un travail de vulgarisateur. Il est en train de vulgariser quelque chose qui était là-bas, que le sans soutien, si je peux forger cette expression, ceux qui sont venus donc à la conférence de Sun City avaient tenté de modifier. Hein? Alors toi, tu voudrais mourir pour rien en soutenant Moïse Katumbi. Tout le monde sait que Moïse Katumbi n'est pas un Congolais. Ni de père, ni de mère, il n'a aucun sang congolais. Il n'est pas différent d'Hippolyte Kajambere Kanembe qui se dit congolais et qui a tué Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est une autre page. Mais je pense que tu passes ton temps pour rien. Nous t'avons toujours vu, nous t'avons toujours suivi dans les médias. Et tes propos te trahissent que tu es une personne corrompue, une personne qui a été achetée pour soutenir le mal. Nassim Soriano Katumbi a pillé les Katanga. Il a envoyé beaucoup de gens à la mort. Il a envoyé beaucoup de Congolais à la mort. C'est un traître, c'est un voleur. Il n'a rien fait chez nous. Alors, mourir pour quelqu'un de ce genre qui n'a même pas ton niveau d'études, prouve que toi-même, tu es un imposteur. Et que je déplore ta mort si tu mourais aujourd'hui. Tu aurais déployé tes efforts, ton énergie à soutenir ce qui est noble qu'à être un marchepied d'un illettré, un imposteur, un traître comme Hippolyte Kajambere Kanembe. Nous devons mourir pour la nation et non pas pour des individus inutiles comme celui-là. Tu es Noël, tu es Jacques Ndala. Moi, je suis Djemadar Vibikil Kilele. Moi, j'ai été victime de l'escroquerie de Nassim Soriano, Moïse Katumbi, lui et Kyungwa Kumwanza. Et j'ai dénoncé
leur escroquerie plusieurs fois dans mes interviews. Ils n'ont jamais nié les accusations que j'ai portées à leur égard. Moïse Katumbi, c'est un mania escroc, mais il m'a escroqué moi-même. Moi qui l'ai. Et j'ai toutes les preuves. Et il ne peut jamais nier, il ne les a jamais niées, ces accusations que je porte contre lui, lui et Kyungwa Kumwanza. Alors tu passes ton temps pour rien. Tu vas mourir pour rien. Bon dimanche. Et mort. Si mort doit advenir auprès de toi, eh bien, précède-nous dans le royaume des morts. Au revoir.